Et salut à tous, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, donc ça va être une vidéo dans ma chaîne. Premier exclu FR. Il y a exclu mondial, il y a personne qui le sait. C'est moi le premier, comme d'habitude. Je fais des exclus FR, mais je claque toujours 30 vues par vidéo. C'est ça que je comprends pas. Putain, bref. Ça va être un truc pour que vous ayez la map Nuketown 2025 et The Giant Zombie. Donc Nuketown 2025, je fais précommander le jeu chez Micromania. Mais The Giant Zombie, les gars, il faut soit précommander l'édition Deluxe à 100 balles ou l'édition comment ça s'appelle, Juggernaut à 200 balles. Et nous les gars, on est pauvres, on n'a pas d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? On est pauvres, on n'a pas d'argent. Donc trop cher, trop cher. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, vous allez, je vous mets des images parce que j'ai pas d'Elgato, du coup je peux pas parler avec le menu de ma PS4, du coup j'ai le seum. Je vous mets des images, derrière c'est du fond de Call of, mais on s'en fout. Donc vous allez aller ouvrir, écoutez-moi bien, étape 1, ouvrir votre PlayStation Store. Étape 2, aller sur la rubrique Call of Duty Black Ops 3. Précommander Call of Duty Black Ops 3. Vous allez voir édition standard 69,99€, édition deluxe 99,99€. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que je peux vous montrer qu'en image. Donc je vous montre en image. Ensuite, vous allez aller sur où c'est que c'est marqué. Une fois que vous cliquez sur l'édition que vous voulez, on s'en fout. Et vous mitraillez le bouton croix sur 99€, comme si vous voulez l'acheter. Pas besoin d'argent, on s'en branle. Vous mitraillez le bouton croix. Je pense que tout le monde connaît ce bug pour avoir des jeux sur le PlayStation Store. Hein. Tout le monde le connaît. Donc si vous ne connaissez pas, bah, vous avez juste à mitrailler le bouton croix. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus le truc qui charge, vous continuez. Jusqu'à temps que c'est fini. Ensuite, vous, une fois que c'est bon, que c'est précommandé, vous allez voir normalement, ça va être marqué 4 jours et des poussières. Si ça vous le marque pas, et vous refresh, vous fermez votre store, vous le relancez, vous retournez là-dessus, ça va vous le marquer, ou si ça vous le marque toujours pas, c'est que vous avez raté, donc vous recommencez, vous mettrez le bouton croix. Ensuite, moi perso, c'est ce que j'ai dû faire, mon pote il a pas eu besoin de le faire. Une fois que ça vous marque 4 jours, en dessous, vous allez voir télécharger. Il y aura 4 jours de machin et juste en dessous il y aura un autre rectangle noir. Ce sera marqué télécharger. Moi ça me l'a pas marqué, donc si ça vous le marque pas, vous faites comme moi, vous éteignez votre console, vous la rallumez, vous retournez sur le store, en gros faut refresh. Donc vous retournez sur le store, sur Black Ops 3 où c'est que vous avez précommandé, et là vous allez avoir 4 jours et un autre rectangle juste en dessous, télécharger. Vous cliquez sur télécharger les gars, et là ça va vous demander multijoueur zombie. Vous cliquez sur ce que vous voulez, soit multijoueur, soit zombie, et là ça va vous mettre, exemple vous cliquez sur un multijoueur, ça va vous télécharger la map Nuketown 2025. Ensuite, vous faites rond, ok, donc Nuketown, télécharger, zombie, bim, map de Giant Zombie les gars. Et ouais, donc moi ce que le prochain, likez, commentez et abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.